Un petit DIY. Alors je vais utiliser, là il y avait une glace, hein. J'ai utilisé le tissu adhésif, mais comme c'est pas très net, ben, je vais faire une petite astuce. Je vais prendre un washi tape que je vais mettre par dessus. Auparavant j'ai peint, voilà, j'ai fait un petit marbré, j'ai mis des petites perles, je vais mettre des perles ou pas forcément, et derrière j'ai peint en blanc. Il faut que je mesure là, ici, mais moi je fais à la one again, je fais pas avec les mètres et tout, je déteste ça. Je vais le découper. Je vais couper 4 rubans. Voilà ce que ça donne. Moi, c'est la one again. Maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer de découper les 4 petits rubans là, en enlevant le rouge, et les mettre de chaque côté. Un là, un là, un là et un là. En fait, je préfère comme ça, peindre en blanc. Et je vais mettre au milieu ici, je vais remettre du... Donc je vais mettre un petit bout là comme ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le peindre en blanc. Voilà où on en est. On en est là. On en est comme ceci. Et là, comme ceci, sur le côté. Et sur le côté. Et là maintenant, je vais la customiser avec des... Comme ceci. Voilà la boîte. La voilà finie. C'est un peu le but de ce que je voulais. Une boîte un peu comme ça. Voilà mes choubidous. Ma petite boîte à maïs qui est comme ceci. Alors on va la fermer. Voilà mes choubidous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ma vidéo vous a plu, pourquoi une pouce si elle ne vous plaît pas. Prends garde à toi. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous aime. Bye bye.